Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un qui croit que sa mère, son père est un sorcier, c'est une personne très dangereuse. Et moi, je vais m'éloigner de cette personne-là. Parce que, imaginez un peu, si vos enfants que vous vous êtes occupés d'eux, imaginez mes enfants, je me suis sacrifiée, je me suis occupée d'eux, ils grandissent et ils m'appellent la sorcière de la famille. Imaginez un peu le mal que ça peut me faire. Et quelqu'un qui se comporte comme ça envers sa mère, cette personne a eu un danger, cette personne est un danger pour elle-même et puis sa famille. Une telle personne-là, je vais bien me méfier d'elle parce que si quelqu'un vient se confier en toi pour dire oui, je pense que c'est ma mère qui veut me tuer dans la sorcellerie, même si elle a avoué. Il faut rechercher la face de Dieu. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Moi, une telle personne-là, elle a à craindre. Oui, il faut craindre. Il faut craindre une telle personne. Oui, parce que moi, par exemple, si je vois une telle personne sur mon chemin, je vais lui parler. Je vais lui dire, ne fais pas ça. Je vais lui dire que ce n'est pas la vérité. Et si j'essaie de te parler et tu crois au mensonge, eh bien, je ne peux rien faire pour toi. Si j'essaie de t'expliquer pour dire que ce sont des mensonges, il y a des gens, tu essaies de leur expliquer des choses, mais ils sont, ça veut dire, toi, tu expliques. Et ils sont en train de dire, oui, toi, tu es en train de défendre un sorcier. Si quelqu'un me dit, tu es en train de défendre un sorcier, moi, je suis en train de te dire que ce que tu es en train de croire, ce n'est pas la vérité. Et toi, tu me dis que tu défends un sorcier. Mais je vais me méfier de toi. Oui, parce que ton esprit, au fait, est dirigé par l'esprit du diable. C'est pour cela que tu raisonnes comme ça. Quelqu'un qui est contrôlé par l'esprit du diable, cette personne parlera comme ça. Comment ta maman, comment ton père qui était là quand tu étais malade, ta mère qui s'est occupée de toi, changer ta couche quand tu étais malade, excusez-moi, quelqu'un qui s'est occupé de toi, tu grandis pour remercier cette personne. C'est comme ça que tu vas croire au mensonge, c'est comme ça que tu vas traiter cette personne. En tout cas, bon, c'est un peu ça, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ, c'est ça. Moi, je m'éloigne d'une telle personne. Quelqu'un, une telle personne, c'est un danger. Je vais m'éloigner de toi.